si je compare à la saison où j'ai été champion du monde, où j'ai tout gagné, je suis un peu moins bien. Mais ça faisait quand même un bon bout de temps que je n'avais pas fait un début de saison comme ça. Avec des programmes courts, propres, avec des combinaisons coureurs triples. Donc c'est bien. J'espère que pour les Grands Prix, je pourrai mettre mes deux quadruples dans le programme course, qui est quand même assez dur. Mais si je compare à la saison passée, c'est un programme dans lequel je veux me faire plaisir. Je ne veux pas essayer de nouveaux styles, je veux être moi et puis me sentir naturel sur la piste. Faire encore des bonnes choses. Je peux remporter des médailles dans les grands championnats d'Europe ou du monde. Il y a Florent, le champion d'Europe antique qui est là, qui est présent. Moi, ça me fait du bien parce que ça m'enlève de la pression, ça me stimule un peu. Donc il a 21 ans, il est jeune. On n'est pas tout à fait la même génération, mais je compte bien rester encore un peu contre lui, quoi. Il faut être élégant, performant et avoir son style. Ça, son style, il l'a. Moi, je trouve que ses programmes sont vraiment adaptés cette année. Il est vraiment dans son thème à lui. Cette année, j'aimerais bien qu'il s'éclate, quoi, qu'il fasse sans se prendre la tête. Ce que je pense qu'il est capable de faire. Après, à lui de le prouver. Les Jeux, c'est la compétition que j'ai toujours loupée. Que ce soit 2002, 2006, 2010, ça a toujours été la catastrophe. Donc ça me plairait de terminer ma carrière sur des Jeux Olympiques corrects. Après, je ne dis pas que je peux gagner une médaille ou que je peux être champion olympique. On ne sait jamais. Si le travail est là, pourquoi pas. Mais je prends saison par saison. Là, on a déjà les championnats du monde à Nice, donc pour moi, c'est vraiment important. Et si je continue jusqu'en 2014, je ne ferai pas les saisons dans leur intégralité. Je pense que je ferai simplement les grands championnats.